Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour la dernière compile des fails de la chaîne, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Et voilà, tout comme mes moments épiques un peu plus tôt dans la semaine, on va refermer le chapitre des compiles des fails. Et autant dire que des fails en plusieurs années, il y en aura eu, hein, ça c'est indéniable, mais les derniers en date, voilà, comme la compile des moments épiques, cette compile va couvrir tout ce qui s'est passé en 2021, c'est-à-dire du 1er janvier au 4 juin, fin du Let's Play de Legend of Zelda, et bien sûr, les moments que vous m'avez signé dans les commentaires avec le hashtag fail, F-A-I-L, et le moment que vous avez voté à la compile, et bien sans plus tarder, voici la compile. Un passage dans 3 des 4 premières zones, c'est pas si mal, mais... Ce que je vais faire, c'est que... Est-ce qu'on peut juste copier le fichier vers un autre emplacement de sauvegarde ou pas? Ouais, je vais le copier. Nope. Ah bah, c'est bien ça. C'est... Heureux de l'apprendre? Non, c'est... Il commence très bien ce let's play, hein. Ce let's play commence très très bien. Essayer de remettre la cartouche comme ils disent. Hein. Ça sert pas à grand chose, mais on s'en bat les steaks. Bon bah du coup, je pense que. T'es en train de me dire que mon jeu est mort là? Non. Mon jeu est pas mort. Quand même pas. Pas faire ça. Sûrement c'est la première zone du jeu, donc faut forcément qu'on ait un... Genre, ce que c'est que ça, les ventilateurs qui sont pas entretenus, très bien. Et cette porte-là, nous l'avons déjà analysée. Ah, bah voilà. Je tombe comme un caca. Hop. Hop. Oh, cool. Ah, merde, trois partout. Après, je le disais, hein, le filet peut être mon allié comme il peut être mon ennemi là, dans ce niveau. Je. Au moins, je reprends au match où j'ai perdu. Toujours pour la science, mesdames et messieurs. On attend que ça revienne. Nope. Comment ça, t'es pas allé sur la plateforme? Vous avez vu l'intérieur de ma glotte, il est beau. Hein. C'est beau. Ah, clipper. Clipper, les enfants, clipper. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Poupe dorée. Mais reviens. Ah. Attends. Deux. Elle est gratuite, celle-là, je la prends, hein. Trois. Quatre. Et il m'en faut une dernière. On va pas dire, mais celle qui s'est présentée à moi, c'était tellement une offrande. Bon, bah, si j'ai bien compté, c'est la septième. Viens voir. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y en a 7, c'est bon. Quoi? Mais je t'en ai mis 7 pétasses! Je t'ai ramené 7 poules! Putain!
Je vais aller voir là où il y avait la poule de base tout à l'heure. Elle est là, ok. Putain. On est d'accord que le premier truc avec le boulet de canon, je suis revenu sur le serpent, c'était une save. Saves in pas speedrunning. Merde. Et ça, on appelle ça... Voilà, ça on appelle ça de la merde. On est d'accord. Allez. Première section, elle était déjà pas facile. Elle a été bien tendax, mine de rien. Ah d'accord. J'étais baissé, mais tu me touches quand même. D'accord, tout va bien. Ah merde, j'étais pas au bon endroit. On va se mettre là. Oh, je vois notre checkpoint. Coucou. Non ! Nick ! Nique-toi, la bande piranha du cul ! Mais... j'avais le checkpoint. Ça, par contre, ça... Attends. Y'a peut-être moyen. Au pire, on va recommencer. On sait qu'on doit passer par au-dessus. J'espère vraiment que les pièces sont pas obligatoires de chez obligatoire. Ça aussi, c'est pas obligatoire de chez obligatoire, en théorie. Welp ! Déjà fait, vous parlez de la chaîne autour de vous, si tu vous en dites tout ça. Vous le savez, la petite cloche pour une question, ça fait plaisir. Les moments épiques et les fails avec les hashtags associés. Vous connaissez la petite, mais pas non plus. D'aller jeter un oeil à la chaîne de VOD, dont là se trouve plus bas en description. Et vous pouvez aussi aller voir ma chaîne Twitch, on fait des lives le week-end. On se marre bien, vous allez voir, c'est cool. Et voilà. Et en attendant d'explorer la zone et de partir vers le prochain élément, c'est pas bien de... Écoutez, monsieur l'ennemi, c'est pas très gentil de m'attaquer alors que je ne peux pas me défendre parce que je parle et que j'ai posé la manette. Merci. Ils ont bien pris leur temps, ces espèces d'enfoiros, en vrai, hein. Ah. Avec ça, honnête man, c'est... Ouais, alors ça, c'était Nida la con. Notez ce que je viens de faire, voilà, il faut pas le faire. Comme ça. Ouais, non, pas comme ça. Ouais. Je pense que je vais reset la salle. Je vais quand même continuer mon petit tour que j'avais fait par le haut. Avant de reset la salle. Je vais vérifier que je loupe rien. Parce que j'étais tombé par ici. Saloperie ! Saloperie mort-vivante. Pas. Eh, t'imagines encore une fois, t'as quelqu'un qui débarque sur le stream pile au moment où je dis ça. Mais en fait, ce mec, c'est un putain de facho. Non, non, il fait juste une imitation, il raconte des vannes, c'est tout. Mais qu'est-ce que je prends ? Y'a rien ! Merde ! Y'a rien qui sort de la planète, je ne touche rien! C'est quoi ce bullshit? Non. Eh oh, eh oh. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? NON! Va chier ta grand-mère. Une fois qu'on aura pris l'anneau étoile là-bas, on sera dans une position déjà un peu plus... Ok, reste là-dessus. Oh, yes sir, des pièces. Non. Putain. Attends, on en est où? Et yo Candid, bah ça se passe et toi? Compris, oui monsieur. Tendu et ravi, mais une technique d'épée ne peut t'apprendre qu'avec la pratique. Comme la dernière fois, je vais prendre le contrôle de ton corps. Voici la technique de l'école Teshin. Prise de contrôle. Contrôle. Voilà. Allez, Stéphane, t'es vraiment à toi. Équipe-toi de la cape de robe, saute et au sommet de ton saut, sort ton épée.
J'ai fait n'importe quoi, ça faisait bien remarquable de te remettre au prêt d'escrime. Et t'en mets, t'oublies une technique, ouais, c'est ça, ta gueule. Que serait une bonne voie des champions sans sens de la natation de précision? Comme j'ai dit, je ne sais pas à quoi ressemble l'original, je vais supposer que c'est une recréation assez fidèle. Et remarque, j'ai envie de dire, ça fera un bon entraînement pour le moment où... Merde. Pour le moment où on la fera dans 3D World pour de vrai. Parce que, bah oui, je compte bien évidemment la faire. Non, je pense qu'une pièce rouge, ça doit quand même suffire. Oh, pièce rouge numéro 2. Je vois la pièce rouge numéro 3. Bon, au pire, toi, tu vas vivre. Mais tu vas voir que... Merde. Tu vas voir que merde, hein, évidemment. 3. 4. J'espère vraiment que j'en ai loupé aucune. Tu vas venir avec moi. Donc, de tout refaire, c'est peut-être mieux en vrai. Hein. Hop. Ok, hop. Ok, hop. Ok, là, on se prépare. Oui, effectivement, je peux revenir sur chacun des trucs. Ça va être long. Merde, c'était pas le bon. Allez, on se prépare. Le problème, c'est que j'ai le rayon. J'ai le rayon qui fausse tout. Je reprends où? Je reprends où? De quoi il y avait des VFTP? Ah putain, c'est beau ça! Et c'est ici qu'on doit tomber. Bravo, t'es vraiment une merde! Oh yes, le petit glitch pour choper Bowser. Ah ça par contre c'était pas un glitch. Hein. Eh mais tu t'es mis en bonne position mon petit. Eh regarde. J'ai réussi à le louper. Comment je suis un caca? Comment je suis un caca? Ah mais c'est tout. Et ce chiffre c'est à peu près 55 si je dis pas de bêtises. One eternity later. C'est ça. Allez, plus que 38 étoiles. On est pas mal. Ouais, non, on n'a pas d'infos, je confirme, oui. Ok, ce début toujours aussi relou. Attends. The fuck? The fuck? Ah, clippez-moi ça, les gens, c'est nouveau! Clippez-moi ça, s'il vous plaise. Ah oui, celle-là. On est bon. Darty Dancing, ouais, c'est ça. C'est une danse avec un contrat de confiance, paraît-il. Oh, attends. Faut négocier l'atterrissage. Et merde! Je le savais que c'était une position de merde. Qui bouge, vous me tatanez un peu le pain, bon, quand même. Hein. Ok, interrupteur P pour une étoile. Allez, c'est parti. Merde, j'en ai loupé une, j'en ai loupé deux, j'en ai loupé trois.
Par contre, cette vitesse avec le costume de chat, c'est magnifique. C'est bon, donne l'étoile. Merde, il en reste une! Attends, il y a le tampon. Est-ce que j'ai une deuxième chance? Je pensais qu'ils auraient pu mettre une étoile. Allez, on prend ça. Et on court. Et... ah, merde! J'ai bien fait de garder un costume de chat. Allez, on le prend. Ah bah, la dernière étoile est là. Parfait! Plus que le drapeau doré, on est bon. Plus que le drapeau doré et on est bon. Hop. Merde! Merde! J'ai même pas fait gaffe que je tombe. Bon, de toute façon, je m'en fous. J'ai les deux premières étoiles qui sont validées, en théorie. Ah, mais j'ai tout qui est validé. Cool. Mais donne-moi mon étoile, espèce de petite merde. Merci. 66 secondes. Attends, il y a du temps supplémentaire. Ok, j'ai le bon personnage. Merci. Merde! Je vais à la Samarca. J'étais toujours en l'air. J'étais toujours en l'air. Énorme blague. Punaise. Attends. Là, il y a quelque chose. Je le sens bien. Et là, nous avons... une étoile! Mais c'est tellement prévisible! Enfin... Oh punaise! Ouais, ça aussi, c'était prévisible. Dans la série, Babou aurait mieux fait de fermer sa gueule! Non, mais c'est un juste retour de karma, en vrai, hein, c'est tout. Attends, on va essayer d'y aller. Je vais tenter un truc. Est-ce que ça passe? Vas-y, je le tente. Ah, dommage. Dommage. Il y a une idée. Bon, après, je dois vous avouer, je connais pas du tout la manière normale de faire. Hein. Balançons, c'est un plaisir immense. Quand on se balance, on a vraiment l'air con. Voilà, fallait que j'ouvre ma gueule. Oh! Ah, merde! Ok, il y a des plateformes à choper ici, c'est intéressant. Par contre, j'ai plus de power-up, les gars. Il y a un truc à droite. Ok. Alors, j'ai pas repéré le saut. Je l'ai pas vu, mais pas du tout. Allez, go. 1, 2. Merde! Aïe. Pourquoi je regarde la caméra en faisant ça? C'est vous que je dois regarder. Bon. Bon, je crois que j'ai utilisé ma tenue de minou. Et merde! Pourquoi je suis un caca? Vous pouvez me répondre à cette question, hein? Pourquoi je suis un gros caca? Sparky. Ouais, j'ai trouvé le champi tête pimpon! Ok, bon bah, let's go, plateforme. Plateforme. Attends, y'a quoi là-dedans? Oh! Ah ouais, mais... ah, merde! Ce wall jump. Ce wall jump du cul. Pour s'accroupir quand vous êtes sur la glace. Et ça vous permet d'avoir pas mal d'inertie. C'est utile. Il y a quelque chose au-dessus. Regardez, il y a une ombre. Merde. Oh les petits bâtards. Ok, j'ai repéré la première étoile. Ok. Ça a touché. 2. Merde, faut que je recommence. Ah mais je recommence. Ah merde. Oh t'es sérieux? Mais t'es sérieux pour l'avant-dernier? Ça doit être un boss différent du coup. On va voir. Allez, c'est parti.
Pro. Ah bah bravo, je suis vraiment une merde. Oula. Ça sent le niveau rigolo, ça. Est-ce qu'avec Peach, je pourrais pas tout simplement planer au-dessus de ce bordel? Non, je fais comme ça. C'est mieux, hein. Hein, le bully. Et ici, le bully. On va se remettre là-dessus. Première étoile, c'est bon. Pas grave, dommage. Pas grave. On a la première étoile, c'est déjà bien. Une étoile, c'est déjà correct. Énorme blague! Ok, donc, clairement, on ne saute pas. Avec le tanuki, je pouvais, parce que je pouvais me rétablir. Mais là, c'est comme les cubes dans les niveaux sans jet dans Sunshine. God damn it! J'étais sûr d'avoir enregistré comme il faut. Ah, normalement c'est mieux. Attends. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la musique de fond et avec moi qui l'entendais tout à l'heure? Ah bah c'est sympa ça. Bon, deuxième prise, on la refait. Ah que coucou c'est moi. Let's go. Ça rappelle un niveau dans... Merde. Comme tu dis, ça rappelle un niveau... Y'a pas un niveau de Captain Toad qui est comme ça? Allez, let's go. Sur là, c'est l'idée, c'est de faire un passage. Si. Bon, pas grave, je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré, c'est pas le plus important. Le pire, j'ai shit tonne de vie, je m'en fous. Mais c'est des niveaux comme ça qui se font en 3 secondes et demie, j'aime bien. C'est un bon concept, je trouve. Bon, pas grave. Voilà. Merde. Pourquoi je suis revenu vers le truc? Mais pourquoi je suis un... Non. J'ai déjà posé la question, voilà, hein. Bah j'aimerais qu'il fasse un niveau comme ça. Mais en fait tu peux vraiment choper le drapeau. Et tout ce qui... En fait, tout ce qui est derrière, faut vraiment le récupérer pour le 100%. Et tu peux littéralement faire 2 sauts et finir le level. Je prends merci. Ok, viens ici toi. Non. Est-ce que tu peux me péter ce bloc là s'il te plaît Jean-Michel? Merde! Putain, c'est une de ces portées, les bombes! Je vous jure! Bon. Ah oui! Merde. Ah, c'est... Merde! Ah bah bravo, je suis vraiment une merde! Hop. Allez, éblouis-moi ça. Merde, mais... Rebondis sur les putains de blocs de ton cul! Oh putain.
Oui, rebondis sur les putains de blocs de ton cul. C'est pas mal, là. Merde. Bon, écoutez. J'ai eu l'étoile. C'est ce qui compte. Alors, par contre, je remarque, en fait, leur difficulté, ça consiste à ne plus mettre de checkpoint. Bon, en même temps, on est sur des niveaux relativement courts, donc... mettre des checkpoints, ce serait pas... Qu'est-ce que ceci? Mais... Allez, c'est trop tard. Rien à foutre! Rien à foutre! Moi, je suis Belmondo, je mets le coup de boule. Coup de boule rotatif. Allez. Mais reviens là, petite merde. Ah, c'est possible. Allez, allez. C'est possible, on peut le faire. On peut le faire. Ha! Gary! Nique-toi! Je l'ai loupé! Il m'a esquivé! Le salopard! Pourquoi je parle comme ça? Je m'en fous, j'y retourne. Je m'en bats les reins. J'ai pas le drapeau doré, j'y retourne. J'ai besoin des drapeaux dorés pour atteindre le monde final. Enfin, je pense être le monde final. Le rappel de la savane, let's go. Bah, je sais pas, je veux dire, Luigi, certes, il a plus d'inertie, mais il saute plus haut. Toad, il est plus rapide. Peach peut planer. Ok, je suis passé au travers des ennemis, tout va bien. Bon, bah, salut, hein, je finis le niveau, moi. Ok, ok. Attends. Attends, je peux esquiver comme ça. Non, 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 oui. Non. Caca. J'y étais en plus, hein, j'y étais. Putain, mes vies ont jamais été aussi basses, hein. J'en ai 1091, mais je suis vraiment une merde. Touché, on a dit. Mais non, mais je te maintenais en joue, la merde. Ah, relou. Ah, attends, moi je veux d'abord le saut, parce que je peux finir le niveau, mais le saut est au-dessus de moi.
Faut que j'aille le chercher avec toutes les pièces. Merde! Merde, il était à côté! Oh, nique-toi, attends. Oh, bah je peux faire ça, hein. 21! Allez, let's go. Ah, merde! Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Ok, on prend ça et on continue. Oh punaise, va falloir qu'on esquisse ça, bah ça va être fun. On va voir qu'avec Peach, je devrais pouvoir esquiver tout ça normalement. Mais pas ce truc là! Énorme blague! Bien, soit lundi 22 mars à 16h, avec une petite première des familles, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. J'ai vraiment crevé dans ce niveau. Voilà, je vous laisse un dernier fail, évidemment. Mais bon. Il va donc commencer... technique. De toute façon, Bowser, il sera pas vénère contre nous après ça. Pas vrai, les mecs? D'accord. Mais je lui ai donné un coup. Là. Et reste plus que toi. Merde! Je me suis fait tataner par les Goombas! Ah bah ça va. J'ai vu quand même... On croise pas les doigts mais les fesses. Oh quand même pas. Hein. Attends, il y avait une vie quelque part. J'ai loupé. Pas sur ce lien mais il y a... Sur une des plateformes là, il y a une vie, je vais la récupérer. Je vais récupérer une vie, qui disait. Et qui était à côté depuis le début de notre exploration de la salle, hein, on est d'accord. Allez, maintenant il nous reste juste à passer en mode esquive. Non, parce qu'on m'appelle Babou, dit l'esquive. Enfin, en théorie. Aïe. Allez, on passe par là. Ok, dénique noir encore une fois. Hop. Là, il y a une plateforme. Donc là, on sait qu'il y a des plateformes entre les chip-chips. Oh, non! Non! Nique-toi! Nique-toi, Lo! Nique-toi! Mais... Bon, bah... voilà. Putain. On marque, attends. Et bien sûr. Mais reviens là. Mais dans le monde master quoi, mimique-toi. Dans le wall master, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Deux pièces là. Hop. Hop. Ouais, c'est totalement facilement touché là, le petit. Hop, on a bien tout esquivé. Merde, culé. J'espère que ça reprend dans le combat, par contre. J'espère que ça reprend dans le combat. Ouais, c'est bon. Bowser Junior, donne-moi ça. Petite base, ça pue. Ah, évidemment, une amélioration dégressive, mais oui. C'est ce qu'il nous fallait avant un boss. Mais oui, c'est ce qu'il nous fallait, ma bonne dame. Note à moi-même. Attendre les plateformes. Parce que comme vous le voyez, il n'y a que deux niveaux. Bon, il y a un niveau caché en plus, donc on va essayer de... Alors, notre perso, j'oublie toujours. Là, j'ai changé de focus de fenêtre, je pensais que j'étais sur l'animateur, mais j'étais sur la caméra. Quand j'appuie sur le bouton de la manette, ça contrôle aussi les trucs de la caméra, donc du coup, bah, j'ai arrêté la caméra. C'est trop bien. Bon, on va dire une connerie au moment de lancer
le niveau juste pour pouvoir synchroniser au montage. Attention. Comment on va dire? Blanquette de veau. Voilà. Non, ta gueule. Ne me dis pas, j'ai déjà noté. Voilà. Alors, faut pas qu'on oublie d'aller à droite pour aller activer probablement un interrupteur. Allez hop, je passe. C'est pas mal ça. Ah non, moi je dis bonne vanne. Je dis bonne vanne. Grand des hasards, je peux pas faire quelque chose comme ça. Bah voilà. On est pas mal là. Ah attends, j'ai vu un interrupteur de l'autre côté. Prends ainsi dans les rôtisseries parce que c'est là où on trouve les honnêtes canards. Allez, nous avons donc 4 niveaux plus un niveau secret, c'est parti. Donc on retrouve nos copines des fourmis. Et là, on crève comme un caca. En fait, c'est surtout que c'est une zone où on est tout petit. Le monde est macro par rapport à nous, genre micro-macroscopique, quoi. Qui nous permet d'accéder au niveau qui est, cette fois-ci, à ce niveau-là. Bon, bon, vas-y, je prends, hein. Oh, une vie! Ah, d'accord. Je croyais que tu pouvais pas mourir dans ce niveau-là, mais soit. Ah non, hein. Non, non, reviens. Ah, je le finis. A few moments later. Ah non, je le finis ce niveau. Hein. C'est le but d'ailleurs. Mais ah, putain! Je vais vraiment devoir couper dans du Mario Land 2, vous êtes sérieux? A few moments later. Bon, est-ce que je peux arriver à ne pas être ridicule dans ce niveau pour la 3ème fois de suite, s'il vous plaît? Nick! Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le cinquième épisode, de notre Let's Play sur Super Mario Land 2 6 Game Golden Coin sur Game Boy. Je vais arriver à faire une phrase correcte dans les 15 premières secondes, nom de Zeus. Et on se retrouve donc, on s'était quitté la dernière fois, pas l'idée d'être un tout petit Mario. Bon, après vous me direz que 23 vies, normalement je suis tranquille. Hein. Attends, je crois reconnaître la zone, c'est un fail. Donc voilà, je vais fermer ma grosse boîte à camembert. Ça c'est un faux. Je ne tape pas dedans, c'est un faux il me semble. Je vais pas vérifier, je me crois. Ah, je peux passer par au-dessus. Je vais passer par au-dessus, ça m'a l'air un peu plus safe. Avec seulement 849 pièces, j'en ai déjà largement assez. Voilà, tiens, c'est cadeau, ça va faire par la maison. Là, là, oh! Ein Block! Ein Champ! Surprise, motherfucker! Pas du tout, je l'ai vraiment pas vu, vous l'avez vu arriver, vous? Bon! Et bon. Là, tu fais quoi? Tu fais des petits rebonds, d'accord. Un. Tu fais des rebonds un petit peu plus grands, d'accord. Bah, deux. Trois. Et toi, tu fais des rebonds plus en cloche, il me semble. Ouais, voilà. Les rebonds qui sont plus en cloche, toi. Et de 1. Et de pas 2. Et de 2. Allez, on se concentre. Eh, je suis quand même tout petit, hein. Attends, quoi? What? Pourquoi c'est moi qui suis mort? J'ai... Non, attends. Normalement, hein. Corrigez-moi si je me trompe. Mais normalement, dans les jeux Mario, quand tu sautes sur les ennemis, la vérification de collision, c'est généralement si Mario a un mouvement vers le bas après un saut quand il arrive sur un ennemi, c'est lui qui inflige des dégâts. On est d'accord. Alors c'était quoi le fuck ici? Thank you.
éviter de se prendre les mines, il paraît que les mines ça explose. Ok, donc les mines qui se déplacent à coup de souffle, c'est... Ouais, c'est ce niveau-là. À droite, à droite, à droite, à... Mais j'ai dit à droite! Vous avez vu en plus que je l'ai bougé. Vous avez vu que je l'ai bougé. Là, c'est pas de la mauvaise foi, c'est du bullshit, sérieux. Au subversif, je vais prendre le niveau qui est à gauche, à savoir. Ah bah non, c'est niveau 1. C'est parti! Oh! On a atteint un ennemi. Oh, une pièce Yoshi! Je veux la pièce Yoshi. Je sais pas ce que ça fait. Oh. D'accord. Ça commence très fort. Je vous ai dit que vous pouvez me signaler mon piqué les fails avec les hashtags associés, hashtag épique PIC, hashtag fail et fail, hein, parce que moi, vous voulez voir juste à la compile, tout ça, tout ça. Ouvrez! J'ai je veux une rançon! Et du coup, on peut faire ça pour passer de l'autre côté. Oh, c'est la classe, ça. Attends, on va descendre. Ok. Mon saut n'est pas parti. Mon saut n'est pas parti. Machin là qui vont nous écraser. Ah merde, je pensais qu'on pouvait. Autant pour moi. Attends, c'est où? Ouais, le petit champi qui fait plaise, là, s'il vous plaît. Non, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Ah, je sens que ce let's play va bien garder la compile des fails, hein, croyez-moi. Ah, je sens qu'on va se marrer. Hop, 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 hop. Bon, après, on a bientôt une vie, hein. Il nous faut 3 pièces de plus et on est pas mal. Hop. Donne-moi ça. Donc là, on va éviter de faire n'importe quoi. Hein. Ouais, je suis passé! Mais je suis pas allé beaucoup plus loin. C'est chier, non? Oh punaise. Ouais, c'est pas si facile que ça en vrai, hein. Quoi? Pourquoi c'est moi qui suis mort là, monsieur l'arbitre? Oh, regardez le ralenti, je suis sûr il y avait faute. Je suis sûr il y avait faute. Qui reste, on va aller péter le boss. Remarquez, s'ils sont au premier niveau au sous-sol, on pourrait peut-être revenir après avoir cassé le boss pour le récupérer. Ouais, comme ça, on aurait bien ratissé la chose. Ce sera pas une mauvaise idée. Ce sera pas une... Ouais, on va faire ça comme ça. On pète le boss, et on revient après. Kobe! Tout ça parce que j'ai voulu marcher. J'ai voulu marcher, mesdames et messieurs. Méditons ensemble. Zen. Ça me pète le pimpon. Et... Ah d'accord, faut que je reste ici, que j'utilise mon boomerang. Donne-moi ça. Allez, on tente le YOLO. Merde. Je me suis fait eu. Attends, je perds quoi? Ah, je perds une. Ça va, je perds. Est-ce que je garde la clé? Ouais, c'est bon, je garde. Okay, au pire, vu que je garde la clé. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Merde. Bon, on va perdre une minute. J'ai vu que c'est... Ah, 30 secondes.
On perd que 30 secondes ici. Ok. Ah, bonjour. Mais qu'est-ce qu'on ferait d'autre ici? Je piche pas. Allez, on avance tranquillement. Non, j'étais dessus! Caca! De toute façon, je peux rien faire d'autre ici, non? Bon, déjà, je vais noter le temps qui est là-haut. Regarde, Babou, il y a un cristal ici aussi. Ouais, mais le problème, c'est que je suis obligé de faire... Attends. Ok, on a le cristal triangulaire. Je sais plus où on... J'ai pas vu où on devait le placer, par contre, celui-là. Mais... Pourquoi ça reste pas en place, cette merde? Torpé là. Et... Voilà, ça est l'effet là. Je crois que c'est ici qu'il faut descendre. Et j'ai une pièce de dragon. Eh, une clé. C'est ce que ça annonce généralement, les clés. Non, pas dans le vide, pas dans le vide. Attends, je vais peut-être récupérer cette cape avant de faire n'importe quoi. On va recopier. On se barre. Ah, le problème, c'est que ça garde pas l'état des ports. Bon, tant pis. On dirait une hôtesse de l'air qui fait des démonstrations quand tu prends l'avion. La rambarde de pillier. Alors, je vérifie qu'on a fait tout ce qui était sur la liste. La ligne de 100 rubis, c'est bon. La carte au trésor, c'est bon. Les deux sacs de missiles teigneux, c'est bon. La cette attaque de cœur, c'est bon. La goutte de courage, c'est bon. Les pièces de bateau, c'est bon. Et bien, direction l'île de glace, mesdames et messieurs. Alors, on va essayer... Je pense qu'on va y aller normalement parce que... Voilà. Enfin, je sais pas, hein. Tu m'expliques, tu me donnes un symbole. Je le dessine. C'est censé marcher. Ah bah tiens, là il a compris. C'est bien, c'est le 14e symbole que j'ai dessiné. Tiens. On m'explique quand même pourquoi je dessinais 14 fois les symboles pour qu'ils les reconnaissent alors que je fais à chaque fois la même chose. Allez, île du gel, c'est parti. Ok, alors je pense qu'à mon avis, ça doit être ça qui a donné l'idée aux développeurs de Mario Maker 2 de mettre le défilement personnalisable. Non, non! Pourquoi j'ai fait un saut toupie? Vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai eu cette idée saugrenue d'appuyer sur le bouton saut toupie? J'avais un Yoshi, j'avais deux câbles, j'ai tout perdu. Hop, tranquillement. Si on profite du fait qu'on puisse planer. Ah, d'accord, donc avec Yoshi, on peut également... rebondir sur les 6, c'est cool ça. Non, merde. Ah, elle est bonne celle-là. Ah, elle est bonne. Ah, je valide la blague. Ah, que, comme dirait Seb dans je sais plus quel épisode du joueur du grenier. La blague est valide. Enfin, la blague est valide. Eh, hey, yo Alpha, ça se passe et toi?
Alors ça, c'est le troll ultime. J'espère que vous allez me clipper ça. Ah, parce que là, c'est le troll ultime. Sérieusement. Ah, franchement, bonne vanne. Franchement, bonne vanne. Je le redis, bonne vanne. Bah oui, forcément. Forcément. En fait, il faut que je fasse c'est ça et ça. Voilà, comme ça, je prends la poule. Non, non, rien, rien, rien. On va prendre ça avec. Hop, très bien. On va aller dans un tuyau. Une pièce Yoshi, je prends. Oh, attends. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc. Non, Yoshi, Yoshi, Yoshi. On pourra pas dire que j'ai pas tout. On pourra pas dire que j'ai pas tout tenté pour sauver Yoshi. Ah là, vous pouvez pas me l'enlever celle-là. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça, je dégage. Non, 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 non. Yoshi, Yoshi, bouffe-moi ça. Voilà, ça c'est un bon Yoshi. Ça c'est le bon Yoshi à son Mario. Bon. Tout ça parce que je voulais voir s'il y avait un truc dans un des blocs. Bon, pas grave, on va essayer de récupérer la cape. Faut qu'on soit rapide. On prend juste l'interrupteur P. Tout ça parce que je ne sais pas contrôler cette connerie de cape. Non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est vrai que ça a été un réflexe de grimper tout ça, je me suis dit, ouais, vas-y, il y a peut-être moyen de moyenner. Ah bah c'est parfait. Bon, maintenant, lui, on va juste déjà pousser dans d'un cran, et on va attendre qu'il revienne devant nous, et après, on va lui tataner la gueule. Hey, poteau, c'est offert par la maison. Quoi? Je serais pas complètement niqué là. Attends. Putain, il y avait ces... Attends, il y avait un interrupteur là, non? Voilà, voilà, voilà. Il y a aussi les étoiles d'argent, on va aller les faire tout de suite. Et je me dis que les étoiles d'argent vont être un peu plus funky. Il a voulu dire, ok, mais j'avoue, Babouline, c'est vraiment un énorme canard. Hein. Kobe! Ah, j'espère que quelqu'un a clippé ça. Hein. Juste ici. Et là, on va juste devoir faire un très léger détour au moment... d'aller ici, parce que la statue numéro 14 vous attend là, à côté de cet interrupteur. Et là, voilà, le coffre apparaît. Allez, allez, allez. Dis-moi... Oh, on va pas avoir assez de temps. Vite. Ça sent la loose. Je prends ma retraite. Voilà. On va scroller un petit peu l'écran. Voilà. Je rappelle, un scroll écran, c'est L et R. Carrément des touches qui sont programmées pour ça. Ok. Bon, tant pis. Comme par hasard. Comme par hasard. Bien. Ok. Bon, bah, je m'emmerde pas, les mecs. Hein. Je vous aime bien. Mais saute, bordel! Ah, fait plus qu'un. Quoi?
Ah oui, effectivement. Mais... Alors là, il faut qu'on m'explique quelque chose. Il faut qu'on m'explique quelque chose. Si j'ai tracé cette route, ça veut dire que le jeu savait que la route était bonne, non ? Alors pourquoi ? Alors pourquoi je me suis pris l'île comme un caca ? On revient vers l'autre pyramide, on rentre dans le grand temple et on est fini, et on a fini. Mais bon. Ah, je pensais pas que ce serait autant. Mais je peux même pas remonter ? Je vais par où alors ? Oh, je suis obligé de refaire tout le tour, putain, t'es sérieux. Nope. Tout ça parce que je suis descendu au mauvais endroit. Nope. Je suis... Mais putain, les boulets là, vous êtes... Nope. Mais vous êtes des boulets, les boulets. Nope. Nope. Mais vas-y. Ok, donc on a deux sorties là-dedans aussi. Let's go. Moi je m'en fous, je vole. Attends. C'était pas l'idée du siècle, figurez-vous. Ouais. Mais je prends des risques. J'ai 70 vies, je peux. Là je te laisse passer, j'ai le temps. Je suis pas pressé. Le suivant, faut que je le déclenche. Je fais un comme ça dessus. Voilà. Bon, tant pis, là je fonce. Merde, j'ai hésité. J'ai hésité, fallait pas. Bon. Nice. En fait, je me demande si l'épisode, je vais pas simplement l'intituler Nice. Ouais, allez, vas-y. Allez, vas-y, cet épisode, je l'intitule Nice. Parce qu'après tout, 69 vies, c'est parfait. Donc on sait que cette technique de vouloir ramener le champi comme ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Viens ici. Évidemment, évidemment, tout à fait, je suis d'accord, tout à fait. Ah ! Il ralentit son lame, ça leur habitera, pas de soucis. Juste pour le lul, c'est un BLJ. Allez. Allez. Le truc, c'est qu'il faut que je trouve l'endroit où faire le BLJ, par contre. Hop là. Ah, je peux pas le faire ici. Combé! Ah, clippez-moi ça, les gens! Clippez-moi ça! On sait. Des vies. Non! J'ai failli me faire avoir. On va attendre que l'étoile finisse. Et on va faire le saut en rebondissant sur le Koopa. T'arrêtes de clignoter, Mario? Super! Bon, je veux dire, regardez le nombre de vies que j'ai récupéré, il est là. Comédien dans Fort Boyard. Elle est encore la moitié. Je suis passé. Ok, un dernier frère marteau à taper. Bon, tant pis, j'utilise ma cape de réserve. Ma cape de réserve, on a dit. Non ! Ma cape de réserve ! C'était la fin ! Prout ! Voilà, prout. Eh ben on descend. On retourne voir un petit peu. Ah, attends, il y a toute la zone là en bas où je suis pas allé. J'en ai trouvé qu'une seule. Ah mais non, saloperie. Ah mais non, bourrin. Tartine de merde. Voilà. Ça s'appuie un peu ça. Ah merde. Merde. Pourquoi je l'ai repris la bombe? Attends, attendez. On me dit dans l'oreillette, parce que tu es un pimpon, ouais, je suis d'accord. Voir où on va en vrai, c'est bien. Ah merde. Ça pique. Non, franchement, ça pique. Je vous le redis, ça pique. Ah oui, mais non. Bye, have a great time. Est-ce que je viendrai pas de me couillonner?
Ah si, en fait, je viens de me couillonner. Je l'ai fait beaucoup trop tôt. Ah, c'est bon à savoir que je l'ai fait beaucoup trop tôt en vrai. Hein. Allez, maintenant on bourre. Un boss. Ah bah, je veux pas le savoir. Non, non, je reste là. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bah, je reste là, je bourre. J'en sais dans le truc, je suis dessus. Hein, Bowser. Merde, 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 merde. Ah, merde. Ça apprendra à faire le kiki, tiens. Oh, putain, bonne mère. Ah bah, je crois que je vais crever, hein. Ah, ça m'apprendra à faire le kiki, sérieux. Eh, monsieur le Big Boo. Wep, 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 wep. Comme la clé du même nom. Allez, on se concentre. Ça me va. Mais... je veux bouger du mur, pas donner un coup de cul. Merci. Allez, on recommence. Et merde, tampon, tampon, tampon. Concrètement, je fais pas l'aller-retour, je vais directement en haut, ici. Et c'est ici. J'arrive à revenir, bien sûr, je me fais taper. Ouais, mais on va faire péter ici. Ah, c'est pas celui-là. Ici, alors. Comment ça? Mais, il me manque une clé, là, les mecs. Merde. Non. Avant, ah, avant la deuxième, peut-être ici. Oui, voilà, ici. Et de là... Nope. Quoi? What? What, what, what? Je me suis encore trompé. Attends. J'ai vraiment fait des notes aussi pourries que ça? Oh putain, c'était à gauche, pas à droite. Ah putain, attends, attends, je suis où? Je suis là. Et c'était pas là, en fait. Bah oui. Aïe, c'était pas là. C'était ici, du coup? Oh putain, les lignes bleues. Aïe, il y en a de partout, c'était là. Oh, la musique est en mode... J'ai du mal, les mecs! Nope. Je me suis encore trompé. Ah oui, je me suis encore trompé, mais c'est beau. Droite. Une fois en bas. Oh, punaise. Ensuite, quatre fois à droite. Oui, bah tout à fait. Merde, merde. Mais, laisse-moi toucher le bleu. Non, pas Louise Robert bleu, hein. Ok. Oh putain. C'est juste chiant, t'es obligé d'annuler la malédiction en en touchant un autre, mais... Ça enlève combien de cœurs, ces merdes? Non, sérieux. On one-shot les vires, maintenant. Prends les bombes. Ok, mais si le vire... Oula, ça va être galère, galère, ça... Ça va être galère, galère de chez galère, galère. Là, on a besoin d'une... Oula. Ouais, bah les 12 cœurs, ils auront pas tenu longtemps, hein. Voilà. 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 Oh.
un piège! Le quart de cœur, c'était un piège! Oh, bonne vanne! Ah, bonne vanne! Ah, je m'incline, bonne vanne! Bonne vanne! Ah, le timing comique était parfait!